Alors que dans cette course, Midnight Oracle finissait quatrième après avoir raté son départ. The Apoc, Star of Zeus, Fairbanks, Midnight Oracle. Quelle arrivée pour Jamir Ali Hussein de la course numéro 2 sur Cash Call. Vous allez voir, il va émerger devant l'Agacio. Là, il est à l'extérieur de l'Agacio. Il va battre le coursier de l'écurie Gadjedar avec After the Order et High Key qui termine derrière ces deux chevaux. La première victoire d'Ali Hussein cet après-midi. Why Wouldn't You, complètement à l'extérieur, va battre Confessional dans la troisième course. Pour la troisième place, le numéro 1, Cyber Special. Bug, le numéro 3, finissait quatrième. Why Wouldn't You, deuxième victoire d'affilée montée par Swapni Drama, complètement à l'extérieur. Tenace comme Northern Spy, qui n'a eu qu'à suivre tranquillement dans la foulée de l'éventuel meneur, à savoir Texas Sky. Il remonte Texas Sky, donc Northern Spy, pour foncer tout droit vers le but et résister à Driven Force. Texas Sky prend la troisième place et quatrième, Charleston Hero. Cinquième course, Jamir Ali Hussein, Red Moss, pour l'écurie Simon Jones, d'un rien devant Ovation Award. Council of War est troisième, Promissory quatrième, Red Moss devant Ovation Award. Voilà, on va passer à la sixième épreuve. Henry Tudor a toujours l'avantage ici, mais Tripod et Cédric Ségéon vont terminer le plus fort. Donc victoire de Tripod face à Henry Tudor. Palace Chapel finit troisième face à Licario qui prend la quatrième place. Sixième course, septième, Rule the Night. Le numéro 1 d'écurie Gilbert Rousset, Norris Juglel, devant Wall Tag. Rule the Night qui a survécu à une objection également. Troisième place pour Ayla. Quatrième, Al Mariachi. Parti trop vite, le grand favori Buzz des Boys est remonté ici à l'intérieur par Green Flash Sunset, piloté par Swapnil Rama. Il va s'imposer pour la première fois sur notre hippodrome, Green Flash Sunset, qui s'impose devant Mr. Mogambo, auteur d'un bon retour. Troisième Amandla et quatrième Boss des Boys. Et Ziggy Zaggy Zuggy qui va résister à King of Terra dans la dernière course. King of Terra, nouvelle unité de l'écurie Vincent Allette, qui fonce sur Ziggy Zaggy Zuggy. Mais le but arrive à temps pour le coursier de l'écurie, Shirish Narang. Troisième place à Silver Song. Quatrième, Yankee Force.